Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on parle ensemble de persévérance. Dans ce chemin qu'on a quasiment toutes et tous pour accomplir nos ambitions, ça peut être apprendre une nouvelle langue, ça peut être voyager, ça peut être trouver un nouveau taf, ça peut être faire des vidéos sur YouTube, ça peut être lancer une entreprise, peu importe. On a tous des choses qu'on veut réussir à accomplir, mais dans cette course pour accomplir ces choses, il y a forcément des instants où on sera moins motivé que d'autres. Mais je vais être transparent à 1000% avec vous. Cette vidéo en est clairement la preuve et c'est bien le but de cette série Road to Success, c'est de vous embarquer, c'est de vous documenter vraiment ce qui se passe là-dedans, ce qui se passe dans mes projets, dans ma boîte, pour le mettre sur une vidéo, pour vraiment le transmettre de manière ultra transparente, ou du moins le plus possible. Et bah, clairement pour cette vidéo, pour ce dimanche, je n'étais pas du tout inspiré, j'avais pas du tout envie d'en faire une, ça me saoulait de me dire « allez, j'ai pas le temps de le faire ». J'avais plein d'excuses possibles pour ne pas la mettre. Et juste maintenant, on est maintenant samedi soir, il est exactement 19h10, faut que j'aille souper. Mais je me suis dit, mais je peux pas ne pas sortir de vidéo. Pourquoi? Parce que je sais que c'est exactement la recette. C'est la recette du succès, la recette de la réussite. Elle est pas magique cette recette, elle est toute simple, elle est toute conne. Et on la connaît quasiment toutes et tous, mais c'est la persévérance. Il y a forcément des instants où dans ce chemin d'accomplissement de vos ambitions, vous aurez des bas, vous aurez des coups de mou, des instants où vous ne serez pas inspiré, vous n'aurez pas envie, vous perdrez un petit peu de vue cette chose que vous voulez réussir à accomplir, cette vision, la motivation, et ce qui vous boostait un petit peu les tripes à accomplir cette chose. Il y a un instant forcément où vous allez partir sur un autre chemin. Et c'est bien là qu'il faut réussir à continuer. Et vraiment, j'ai cette image de tout le temps se montrer, tout le temps venir au rendez-vous. Et franchement, je vous jure, à une époque, j'avais un défaut. À chaque fois qu'il y a un rendez-vous client que j'ai pas envie de faire, à chaque fois que j'avais un téléphone ou un call qui me saoulait ou ça m'ennuyait ou j'étais pas dans le bon mindset, je décalais. J'écrivais un mail, bonjour, malheureusement, j'arrive pas à le faire, est-ce qu'on peut reporter? Et j'avais pris ce réflexe de reporter plein de choses tout le temps, juste parce que ça me saoulait en fait de faire cette chose. Et il y a un instant où j'ai vu un reportage, je sais plus de qui, je sais plus de où, mais c'est un mec qui disait, chaque jour je me suis montré, chaque jour je suis venu à l'heure au rendez-vous et peu importe ce qui se passait là-dedans, autour de moi, à chaque jour, j'étais présent à ces rendez-vous. Et c'est un petit peu cette vision où je me suis dit, mais en fait, je peux plus. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps que je me montre, tout le temps que je sois là, que je sois présent. Si maintenant je m'engage à faire un truc, bah, je vais y aller, je le fais. Et c'est pareil pour ces vidéos. Je me suis engagé à faire ces vidéos, à en faire deux par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et jusqu'à il y a 10 minutes en arrière, pour moi, c'était, voilà, je me suis dit, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas dimanche, il n'y en aura pas aujourd'hui. Mais maintenant que je le fais, pour moi, c'est inconcevable de ne pas tenir ça. Et voilà, j'arrive pas à promettre que je respecterai durant les prochaines années chaque fois ce mercredi et dimanche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est exactement là que le chemin se sépare en deux entre les personnes qui vont lâcher prise, qui vont abandonner, qui vont baisser les bras, des personnes qui vont continuer, persévérer et à la fin réussir. Et si je prends le parallèle par rapport à ces vidéos, bah oui, pour l'instant on n'est pas encore beaucoup à les regarder, on est plusieurs personnes, il y en a plusieurs d'entre vous qui commentent souvent, qui sont là, qui sont présents, et je suis ultra reconnaissant, donc merci beaucoup, merci mille fois. Mais c'est clair que oui, forcément, bah, quand on crée du contenu, on est forcément sujet derrière à, comment dire, à réagir différemment à l'engagement qu'on va recevoir. Et forcément qu'une vidéo qui marche bien, on se dit « waouh, c'est cool, ça plaît ». Et une vidéo qui marche moins bien, on se dit « waouh, c'est chiant, ça marche pas ». En tout cas, ça marche pas comme je le voudrais. Et des fois, ça peut franchement démotiver. Je crée pas des vidéos pour que ça fasse de l'engagement. Je crée pas des vidéos dans le but et l'objectif de faire des millions de vues. C'est pas ça qui me motive. Ce qui me motive moi personnellement, c'est de pouvoir réussir à vous motiver et vous inspirer vraiment dans votre quête pour accomplir vos ambitions. Et forcément que plus on pourra être présent, plus on sera connecté à travers ces vidéos, bah plus en fin de compte cette mission que je me fixe pourra prendre sens parce que plus elle aura d'impact. Et c'est clair que forcément que je suis, bah voilà, je regarde un petit peu l'engagement. Les deux vidéos que j'ai fait mercredi et dimanche passé, elles ont eu moins d'engagement que d'habitude. Et oui, je ne vous cacherai pas, je vais être transparent à fond avec vous. Oui, ça m'a démotivé un peu, je me suis dit bon allez, je passe tellement de temps à les monter. Il y a deux nuits par semaine où je dors 3h, 4h grand max pour pouvoir les monter. Pour pas que ça me prenne trop de temps sur le temps que j'ai à mon agence, c'est une période qui est ultra stressante pour l'agence, qui a des projets à gérer, des projets qui sont malheureusement partis, d'autres qui vont peut-être rentrer, la team qui s'agrandit, bref, il y a plein de trucs qu'il faut réussir à gérer, donc c'est une période qui est ultra importante, et quand je vois tout ce temps que je mets dans ces vidéos, bah, j'ai clairement été démotivé pour cette vidéo du dimanche, où je me suis dit, mais pff, à quoi bon, allez, je fais une pause, je m'en fous, pas à la boue, week-end de Pâques, j'en remettrai une mercredi. Mais non, justement, c'est vraiment, je documente. C'est pas une vidéo
donneur de leçons. C'est une vidéo, vraiment, j'extrais ce que j'ai là-dedans maintenant. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Et vraiment, j'étais prêt à me dire, allez, je poste pas. Puis d'un coup, je me suis dit, mais tu peux pas. Il faut que tu sois là. Montre-toi, c'est maintenant. Tu t'es engagé, t'as un rendez-vous maintenant, faut que tu le fasses. Et je pense que c'est bien là que la différence se fait. Donc cette vidéo, bah, elle est vraiment documentée à fond. Et je pense que c'est persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. Dans votre quête pour vos ambitions, il y a forcément des instants où ça va être putain de galère. Il y en aura forcément. Vous en traversez peut-être maintenant une période, peut-être demain, peut-être dans un mois. Ça va forcément arriver à un instant. Et c'est bien là qu'il faut réussir à prendre du recul et se dire, allez, maintenant tu... Faut pas trop non plus se laisser avoir par ses émotions, pas trop se poser de questions. Je pense que c'est, en fait c'est ça. Faut presque devenir con, faut arrêter de trop réfléchir, mettre off sur les réflexions et juste faire. Juste faire, faire, faire. Et arrêter de trop penser, de trop réfléchir, de trop calculer, de trop rechercher, de trop planifier, mais juste faire. Juste faire. Et c'est pareil pour cette vidéo. Je me suis vraiment dit, allez, il y a un carton qui est sous cette caméra. Je me suis dit, je fous le carton, je pose la caméra, je mets on et je commence. Donc clairement, lâchez pas. Et je vous le dis à vous, je me le dis à moi aussi maintenant, et je me dis très souvent dans la semaine, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Fixez-vous des ambitions, fixez-vous des engagements, et respectez-les. Et peu importe ce qui se passe là-dedans, soyez présents, montrez-vous et lâchez pas l'affaire. On se retrouve mercredi soir pour un vlog plus mouvementé, mais d'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une grande différence. Et surtout, lâchez pas, persévérez, et ça va le faire. Ciao à tous!